Bonjour à tous, c'est Miss Cutcher, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Call of Duty Modern Warfare 3. On est sur la map mission et commençons tout de suite pour le drapeau A. Alors on se met entre A et C, on se met dans le coin là à côté du matelas, on vise le curseur toujours à fond traditionnellement. On s'aligne à la pointe du drapeau A et voilà, on jette et puis c'est dans les mille. Alors pour le deuxième, c'est la killcam. Je remercie Jux28 qui a participé à ce tuto, Ben Couteau et Pizzaka. Nous là, je n'étant pas disponible et un peu absent du Xbox Live, alors je me suis. Mes coéquipiers de team ont accepté gentiment mais de participer et m'aider. Troisième de spot, vous voyez qu'on est au drapeau B, on se met juste à côté des caisses à droite là. On jette le couteau, viseur à fond toujours, et voilà, c'est dans le mille. Ce spot là, vous pouvez le faire dès que vous capturez B, si vous voyez le A clignoter, vous lancez, puis vous avez de chance de faire one shot. Voilà la petite cam qui vous le montre. Puis s'il tombe vraiment sur le drapeau, alors il est vraiment bien. Alors passons pour le drapeau B. On va tout de suite aller, vous voyez, assez à côté du petit muret là, mais vous pouvez vous mettre soit à droite, soit à gauche. Et tant que la distance entre vous et le drapeau est la même, vous allez voir que ça va marcher. Alors là, on sort toujours à fond, on vise la petite pointe du drapeau. Voilà, c'est dans les mille. Alors, dans la petite cam que vous allez voir que l'ennemi est un petit peu avancé, c'est pour ça que je vous dis, si vous vous déplacez, le couteau va tomber vraiment sur le drapeau ou juste un petit peu à côté. Puis après, quand il y a souvent son beaucoup à prendre B, alors ça vous risquez vraiment de faire un kill. Bon, ben voilà, pour deuxième spot pour position B, vous voyez, là quand on part dedans, on se met directement derrière les palettes, c'est un spot qui peut marcher dès le début, vous courez directement ici, vous attendez que le clignote commence à clignoter. Voilà, vous curseur à fond, vous visez, et voilà, vous lancez, et c'est dans le mille. Je m'excuse aussi pour ma voix, je suis malade, ça peut s'entendre, je suis vraiment désolé, mais j'avais pas envie de vous laisser sans vidéo. Alors, pour vous, je vous fais ce petit tuto, en plus ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de tuto, ça m'a manqué, et puis et ça peut toujours être utile, un petit tuto. Alors, on va poser, j'espère que ma voix ne va pas vous déranger justement. Alors voilà, on se met... dans le coin du mur, mais on peut même vous mettre derrière aussi, et pareil, hein, c'est toujours à la même distance du vous drapeau, ça marchera, que ça à fond, vous visez, et voilà, c'est dans le mille. Par contre, pour le deuxième spot de C, il y a deux solutions, parce que Jux n'y a pas fait exactement comme moi, vous allez voir ça tout de suite. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager à vos amis, ça peut toujours aider quelqu'un, des spots comme ça pour protéger les positions au tout le lancer. Alors vous voyez comment je me mets devant 4-4, le viseur toujours à fond. Voilà, je m'aligne au drapeau. Voilà, j'ai jeté, et c'est dans les mille. Et vous allez voir que pendant la killcam que Juke a fait, lui il met pas le curseur à fond, il vise directement. Vous voyez, il vise, hop, et puis ça va faire un rebond, ça me fait un headshot. Alors, je vous dis merci de regarder, puis écoutez, excusez-moi encore pour ma voix de canard, et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.